bouffé. Enfin le dîner. Minute. Mais cette viande est crue. Je ne mange jamais de viande crue. Ma femme fait tout cuire avant de servir. Vin doux, j'ai oublié ma bonne femme. Les gardes marines l'ont capturée l'autre jour. Ouais, désolé pour votre femme, mais nous sommes à la recherche d'un type habillé comme nous. Est-ce que... Oh, je sais pas, je peux pas réfléchir avec ces crampes d'estomac. Ma femme a peut-être vu votre copain, j'en sais rien. Oh, je vous en prie, trouvez ma femme. Utilisez donc ce buisson. Vous pourrez vous cacher dedans. Je suis sûr que ma femme peut vous aider. Ramenez-la-moi, qu'elle me prépare à bouffer. Bonjour à tous chers amis, ici Belédarius et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de mon let's play sur Giant Seizen Kabuto. Et aujourd'hui, eh bien c'est l'épisode Ma Femme. Allez sauver la femme du Smarties, cet homme a vraiment faim et c'est peu de le dire. Conseil, utilisez le pack buisson pour passer inaperçu devant les gardes marines. Vous ne pouvez pas voler ou attaquer lorsque vous êtes planqué. Le buisson a une durée d'action limitée. Il utilise l'énergie du jetpack. Attention aux tourelles solaires qui lancent un missile autoguidé sur tout objet volant. Esquivez le missile en lançant une fusée. Le missile en lançant une fusée pour servir de leurre. Vous en trouverez dans la boutique. Ok, bon en tout cas, moi j'espère que ça va bien chez vous. Moi ça va très bien et on se lance aujourd'hui pour l'épisode 4. C'est parti. Voilà. Impeccable, impeccable, sur la FR Gaming Zone toujours, hein, je vous le rappelle, un let's play qui va nous emmener pendant un bon petit moment, je pense, d'ailleurs. Et qui va envoyer le pâté en croûte. Alors, par où on doit aller? Oh là là, mais c'est que je dois aller à l'autre bout? Ok. Ok, ok. Donc attendez, faut que j'avance tout droit, d'accord. On va essayer de passer par là. Donc là on va pouvoir essayer de trouver une boutique pour récupérer quelques éléments supplémentaires. Et on va avoir la première rencontre avec une tourelle sol-air. Donc qui est une tourelle qui tire en fait sur moi quand je vole en fait. C'est de la DCA, clairement c'est de la DCA autoguidée. Ça va être assez gênant, hein, je vous le cache pas. Donc je vous rappelle un petit peu que je peux utiliser le buisson. Et comme ça je peux me dissimuler. Je peux même avancer avec le buisson pour pas être vu. Donc voilà, c'est vraiment cool. Ça va me permettre de passer inaperçu avec les gardes marines parce qu'il va y en avoir un paquet normalement dans cette mission, je me rappelle. Oulala, on a plus de carburant. Voilà. Donc, oulala. Donc là, vous le voyez peut-être pas. Garde marine là-bas au bout. Avec une boutique juste à côté de lui. On va lui faire un petit cadeau. Attendez, on va descendre déjà. Eh mais ils sont plusieurs en plus. Ne te mets pas devant moi, toi. Toujours pas. Putain, merde, il a bougé. Ok, bon là, on fout foncer dans le tas, là. On fonce dans le tas, les amis. Oh, yeah. V'la béné. Oh, non. Oh, non, non. Oh, non, non. Oh, putain de... Putain de... Tiens. Ratatata. On reste caché derrière l'arbre et on ne bouge pas. Ah, c'est bon, il l'a tué. Et encore celui-là. Allez, 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 allez. Merci. Il y en a d'autres? Ouh. Ouh non, c'est bon. Ah, on a récupéré des grenades. Ça, ça va nous servir. Oh putain! Il est où? 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 Mais il est où? Là! Voilà, c'est bon. On esquive. Merci. Ah, ça, il faut absolument le détruire. C'est une caserne. Et voilà, comme prévu. Ouh là 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 là! Ça c'est pas des potes. Ah ça je peux vous assurer que c'est tout sauf des potes. Toi, bonjour. Bonjour. Bonjour, non. Bonjour. Non. Ah, au revoir. Ah non, ça marche plus ça. Si je peux aller au-dessus de la boutique. Voilà, je suis tranquille. Alors toi. Oh aïe 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 aïe. Tiens, cadeau. Et toi, pareil. Et toi, de même. Et un autre. Et voilà. Encore. Ah non, c'est lui qui bug parce qu'il a dû se prendre un gros coup dans le jetpack et du coup il bug. On récupère vite fait les boules d'énergie. Il y en a un là. Oh, il y en a un là. Voilà, ça. Pourquoi il a tiré là-bas lui? Ah, j'ai pas compris là, je sais pas. Il a peut-être vu un moustique qui se baladait. Alors, qu'est-ce que je vais avoir debout? Ah ah, donc déjà je prends ça, ça j'en ai rien à péter. Ah oui. Mais pourquoi je peux pas prendre ça? Pourquoi je peux pas prendre?
Ok, bah je peux pas. Oh! Ah oui, j'ai la super mitraillette. Et vous voyez, je vous avais dit qu'on allait avoir des nouvelles armes. Alors celle-là, mes petits gars, celle-là, elle va envoyer le pâté en croûte. Oh non! Mais vous déconnez! Mais ils sont combien? Oh putain! Ta! Ta barbarisme! Ta! Alors voilà, ça c'est fait. Encore un petit là. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Allez, c'est ça, mais barre-toi. Tu pourras pas nous échapper! Voilà, je l'avais dit, hein. Je l'avais dit. Il m'a pas cru. Non, maintenant, il est au courant. Alors, on va récupérer tous les petits bonus d'énergie et on s'est enfin débarrassé de ce qui était la caserne. Alors, la caserne, qu'est-ce que c'est? C'est en vérité l'endroit où sont, où apparaissent les lacéreurs. Et là, vous avez peut-être pas vu, mais au loin là-bas, on a une super tourelle solaire qui est là. Sur laquelle je vais tirer d'ailleurs. Plutôt avec ça. J'ai entendu un bruit de lacéreur. Non? C'est quoi ça? Ça c'est un lacéreur. Oups! Putain mais... Saleté! Saleté! Voilà, retourne dans tes terriers toi. Voilà, donc le fameux missile solaire qui est ici et qui va nous embêter. Regardez, je vous montre ce que ça fait. Voilà, et là on fuit! Aïe 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 aïe! Quelle idée! Voilà, je m'en remets de... C'était juste pour vous montrer, hein. C'était pas la meilleure idée du siècle. Bingo, un de moins. Et donc on va se débarrasser de la tourelle. Donc là, bah pour le coup, il faut surtout pas voler quand on est à côté d'elle. Il faut canarder. Et bien viser si possible. Voilà. Ensuite, là, il y a le lacéreur qu'il faut buter. Et vous allez voir, en fait, on va devoir aller délivrer sa femme, forcément. Et on va se retrouver dans une espèce de base, il me semble. Une base marine. Qui va être quand même pas trop mal gardée, hein, dans mes souvenirs. Alors, voilà. Donc là, il y a un sniper de l'autre côté. Qui est sur la... Et là, il y a tout simplement un garde marine qui nous regarde. Qui n'a pas l'air de comprendre ce qui va lui arriver dans la face. Voire même, ils ont l'air... Ils sont deux. Il reste combien de vie? Bon, bah voilà, on va se finir. Et voilà. Donc, le fameux sniper, on va essayer de le buter de loin. Est-ce que ça marche? Ça a pas l'air de pouvoir fonctionner. Ça y est, ça y est, ça y est. On peut le viser là, je crois, non? Non? Ah non, que dalle, hein. Ah si, ça y est, ça tire. Voilà, on a le sniper en moins, il va pas nous gêner. Ouh! Pouf, là j'ai vu passer le son tir là, c'était moyen là. Ah mais il y a lui aussi là. Alors toi mon gars. Cadeau. Merci, bonne fin de journée. Lui pareil. Voilà. Alors ça c'est encore une caserne, mais cette fois c'est une caserne de Marines. Et qui est bien gênante parce qu'elle est très résistante. Et qui a beaucoup de Marines dans le coin, je pense. Et ils partent tous sur la colline là, je sais pas où est-ce qu'ils vont là. Voilà la base. Oh la vache. Ouais, dans mes souvenirs, je la voyais pas aussi grosse. On va avoir des difficultés là. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Oh putain. Hop. Hop, 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 hop. Non, on tombe pas. Pas dans l'eau. Putain, il y a des piranhas. Putain de piranhas. Allez, allez, allez. En plus, je me fais tirer dessus. C'est honteux, c'est honteux. C'est honteux. Où est-ce qu'il est l'ennemi? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'ils sont? Je suis tout seul là? Ah, il s'est fait buter l'autre. Aïe 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 aïe. Enfoiré, enfoiré, enfoiré. 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 Ah, nom de porcelet. Alors. Là, c'est vraiment pas sécure là. On va se les faire. Voilà, on se les fait tranquillou. On évite de mourir comme un con. Non, t'as pas le droit de mourir, hein. T'as pas le droit de mourir, hein, j'ai dit. Oh, il est là. Oh, il est là. Allez, 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 butez-le. Putain, alors lui. Oh, putain, mais alors lui. Putain, on fuit. Oh, putain. Oh, putain. Alors là, vous pouvez voir que je n'ai quasiment plus de vie, donc je vais retourner dans la boutique. Oh, c'est plus de mon âge,
Mais ramène-toi. Ah bah il est mort, enfin il est mort mais il va revenir, vous inquiétez pas. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à la boutique. Vous voyez je fume tellement j'ai plus de vie là. On va aller à la boutique chercher de quoi se revigorer un petit peu. Oh c'est hard quand même hein. Oh la vache, j'espère qu'il me poursuive pas au moins là parce que... Ça y est il est de retour lui. Bon il va se téléporter vers moi là. Et pour faire plus vite on passera par la montagne tout à l'heure. Donc là, on évite d'aller dans l'eau, hein, parce que vous savez un petit peu pourquoi. Il y a un petit peu de la compagnie dans l'eau. Bon, c'est la petite compagnie, mais un petit peu gênante quand même. Hein. Ok, donc on va se remettre de la vie avec la seringue. Déjà, ça va nous remettre la vie en totalité. Voilà, vous voyez, réserve de santé, sauf que le bâtiment dans lequel je suis a une réserve de santé. C'est-à-dire que quand je serai arrivé à zéro, il pourra plus me redonner de points de vie. Vous voyez, ma réserve de santé est de 23. Donc la prochaine fois que je viendrai, il pourra me redonner un peu de vie, mais pas autant que tout à l'heure. Et certainement pas suffisamment pour me la remettre en totalité. On va monter par là. Et on va aller leur faire un petit coucou. Oh yeah. Vous pouvez voir que, enfin, vous pouvez entendre, surtout que la musique est franchement crédible et qu'elle rajoute un bon système. Enfin, elle nous permet vraiment de rentrer dans l'action. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment sympatoche. Moi j'aime bien personnellement. Alors par où il faut que j'aille? Certainement de l'autre côté là. Ah oui je me rappelle. Ah je me souviens quand j'avais fait le jeu. Je m'étais mis là. Donc là où je vais aller. Je m'étais mis là en mode snipe. Et je canardais tous les ennemis depuis ici en fait. Et ça marchait pas trop mal en plus hein. Par contre là on se fait tirer dessus par je sais pas quoi. Et hop 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 hop. Et là. Bande de gorilles. Ah. Mais il est où? Oh il est là. Oh le goret puant. Et voilà. Cadeau de Béné. Mais j'ai déjà plus de vie. Sacripant. Oh le nom de Dieu. Over you. Allez on repart sur notre petite passerelle là. On va aller s'occuper de ces gardes marines qui sont vraiment chiants. Retournez boire votre thé. Et faites pas chier. Alors toi mon petit gars, arrête de bouger qu'on rigole et on vise bien et on esquive la balle. Aïe. Putain mais alors toi, dans le genre bien chiant. Aïe. Oh là, oh là là. Je sais pas si vous voyez le peu de vie qui me reste. Mais voilà, on va éviter de faire les cons, on va retourner à la boutique. Hein. Il risque d'y avoir quelques allers-retours comme ça. Hein. Ça va rouge, ça va, voilà, ça va. Ça va rajouter de la complexité. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de mettre de difficile ou quoi que ce soit. Le jeu s'adapte progressivement. Et on amortit l'atterrissage. Ouh là, j'ai vraiment plus de vie du tout là. Je pense que si je marche sur une pierre, je meurs. Vous voyez un petit peu le délire là. Voilà, donc on va éviter de faire trop les cons. Et là, on fait ça. Et on fonctionne avec... Voilà. En fait, ça c'est un petit peu con parce que vous voyez, il suffit que je rentre, que je me mette une seringue de soins et que je re-rentre pour me la remplir. Et voilà. Donc en fait, la réserve de vie, honnêtement, elle sert à rien. Voilà, vous êtes au courant maintenant. Si jamais vous jouez à ce jeu et vous n'avez pas eu cette technique, bah maintenant vous l'avez. C'est aussi ça le but de cette play, c'est de vous inviter à y jouer, à participer à cette aventure délirante. Voilà, complètement malade, complètement malade. Alors là, on espère qu'on va monter jusqu'en haut, mais je le sens pas trop là. Voilà, on laisse tomber. Hein. Alors, par où j'étais monté? Par là, je crois. Hein. Mais c'est qu'il est déjà là, lui. Eh, mais le porcelet. Et voilà, trop fort. Ah ouais, donc eux, ils me poursuivent, en fait. D'accord. Bah, écoutez, je vais aller par là, parce qu'il y en a un. Je crois qu'il y en a un. Je prends la mitrailleuse, là. Oh, putain, il y en a pas qu'un. Saleté de garde marine. Mais meurs. Mais tu veux pas mourir pour me faire plaisir là? Allez allez, c'est mon cadeau de Noël s'il te plaît là. Putain. Merci. Fini. Là il y a bien du sang qui a éclaté. C'était voilà, c'était spécial. C'est un petit peu coulis de framboise là, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai plus que 630 munitions sur ma grosse mitrailleuse et je pense que je me suis fait un petit peu
la majorité des gardes marines. Je vais pouvoir retenter de détruire leur base. Oh putain. En fait, il y en a encore pas mal. Ça, c'est fait. Un de moins. Ensuite, toi. Est-ce qu'il va me voir? Ah non, mais de toute façon, il n'y avait plus de munitions. Je voulais essayer juste pour le fun de voir si ça marche. Allez, j'essaye. Haha, il me voit pas. Attendez. Splendide. Splendide, ça lui en a carrément fait perdre la tête. Eh ouais, c'est ça la puissance. C'est comme ça. Ils peuvent pas lutter. Ils peuvent pas lutter. Allez, on va se le faire là, ce bâtiment là, saleté de caserne. Et voilà, splendide. Ah, j'aime bien les petites explosions quand même, hein. Je trouve que c'est sympa. Ouh là là. Là, eux, ça m'étonnerait qu'ils soient en train de prendre du thé là, vous voyez. Allez, un de moins. Deuxième. Voilà, maintenant celui-là. Et au fait, moi je me retrouve tout seul, hein, du coup. Ouais, parce que là... Oh merde! Oh merdouille! Ouf, c'était chaud, là. Il y a une DCA. Il y a une DCA, donc on va éviter de faire les cons. Ça, c'est la base des gardes marines, donc on va y aller doucement. Voire même, on va y aller en furet. Alors oui, ils sont en train de voir un buisson bouger et ça leur fait pas tilt. Mais ça, c'est un autre problème, si vous voulez mon avis. Voilà, c'est autre chose. Là, je le sens pas trop bien. Et là, oui, ils voient un buisson sur du métal. Mais non, mais il n'y a pas de problème. Oh putain, non! Oh vous. Oh le porcelet! Je pense que j'ai fait un petit peu trop le con là. On est reparti. Là ils vont prendre leur piquette. Oh, mais comment ils vont prendre leur piquette? Alors là on n'a pas le temps là. On est parti. Là ça va chier les bulles. Mais pas les petites bulles, hein. Des belles bulles. Vous voyez? Voilà. Là. Ça va pas se passer comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment y aller sérieusement là. En gros bourrin. Oui, sérieusement et gros bourrin, c'est vrai que ça colle pas trop. J'en conviens. Mais là, vous voyez, ça va chier les bulles. Là, on a pris 15 minutes pour faire tout ce qu'on a fait. Défi, réussir à le faire en moitié de temps. Attention, accrochez-vous, c'est parti. Alors oui, il y a la fameuse caserne. Ça va être... Ah oui, c'est vrai qu'il y a lui aussi là. Coucou! Coucou! Ah merde, c'est vrai, j'ai oublié, il y avait du people là. Oh là, ouais, il s'est fait sniper l'autre là. Mon pote s'est fait sniper. Hein. Mais toi, tu vas arrêter de bouger, oui! Voilà. Et toi? Merci! Bonne fin de journée! Et voilà, l'autre il est réapparu. Ah, je sais. Pour me débarrasser des lacéreurs, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà récupérer toutes les armes que je suis censé récupérer dans cette boutique. Et dépêchez-vous, parce qu'apparemment. On se fait tirer dessus, non, c'est bon. Voilà. Je vais monter dans la tour et canarder. Comme ça, les lacéreurs pourront vraiment rien me faire. Et merde, ça c'était pas très malin. Alors. Non mais pourquoi il se met tout le temps devant moi lui? Jean Bonneau, tu te bouges? Oh, c'est pas possible ça, c'est pas possible. C'est de la haute délinquance là, y'a que ça, y'a que ça. Ready?
Oui, là j'appuie sur E pour viser, hein, mais que ce soit dit entre nous, ça sert pas à grand chose, parce que vous pouvez voir, enfin, il y a une petite différence, et c'est bien, il y a une belle croix en plein milieu, mais bon, ouais, voilà quoi. Et voilà, pas le temps d'arriver jusqu'à nous, que c'est déjà démoli. C'est ça l'efficacité. Ah mais lui, il va m'énerver lui. Lui, il est mort. Lui, il est mort. Lui, il est mort. Et il en reste plus qu'un. Qui est mort également, voilà. Là, c'est la classe. Pour le moment, on s'en sort pas trop mal. Donc maintenant, on va essayer de monter par là. Par où, par où, par où? Là. Ah, cette musique. Oh, cette musique. Ah, moi, j'adore. Moi, j'adore. Je sais pas vous, mais voilà. Je suis fan. Allez, mais monte! Mets le turbo, Jean-René! On y va! Wouhou! Alors, là, on va arriver de l'autre côté et on va faire les gros bourrins. Alors, magnifique soleil, vous voyez. Magnifique gestion des blurs. Il me semble que ça s'appelle comme ça, hein. Les petits halos de lumière, comme ça. Il me semble que c'est blur, je saurais pas dire. V'là les saletés. Allez, maintenant, canard, on démolit cette caserne avant même qu'ils aient eu le temps de dire ouf. Résistant quand même, hein. Ah, ça panique là d'autre côté, ça panique, hein. Toi, tu vas douiller. Oh putain. Là, je vous informe qu'ils vont pas tarder à rapiquer. Mais non, mais je veux monter, je veux pas. Voilà, merci. Oula, oui, ah oui. Ah, aïe. Jean Bonneau. Ah oui, non, mais là, non. Je suis pas d'accord, moi. Ah, bah, il est déjà mort, l'autre. Ah, c'est pas possible. Pareil au débarquement allié, chers amis. La 7ème compagnie aéroportée est lancée. C'est parti. Barbarisme. J'ai pas touché une seule fois le techno, là. Allez. Je veux pas mourir, là. Allez, s'il te plaît, qu'on me fasse plaisir. On me fasse plaisir. Ah, par contre, c'est comme ça. Ça me fait plaisir. Par contre, ça me fait plaisir. Il y a que me planche. De la main, voilà. Voilà. Oh, je viens. Un chargeur. Ça fait 1003 minutes. Oh, ça fait bon. Non, là, ils vont tirer, là. Allez, allez, allez. Toi, gars. Allez, pareil, toi. Tu vas mourir. Tu vas pas rentrer dans le couloir, tu vois. Toi de même. J'ai 1003 munitions, on va exploiter tout ça. Alors, merci. Ensuite, celui-là. Pareil, merci pour la seringue, ça fait toujours plaisir. Ensuite, garde marine. Et voilà, encore des munitions, 1086, c'est vrai qu'on en a dépensé. Bah écoutez, je pense qu'on est pas trop mal pour réussir la mission en 7 minutes. N'empêche, je vais faire un bon record là. Oulala, oulala non. Pouf. On va éviter de faire les cassos s'il vous plaît là. Hein. Merci. Oh bah alors lui, il a fait le magnifique saut de la mort lui. Allez explose, 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 explose. Merci. J'ai deux munitions que je peux utiliser. Pof. Ah bah il est déjà mort. Bah c'est impeccable ça. Bah si en plus ils y mettent du leurre. Hein, impeccable. Oh la vache, il l'a fait exploser. Ça c'est la... C'est la machine solaire ça. Voilà, dans la tête, ça c'est fait, encore lui. Voilà, pareil. Ça l'a séché. Il me reste qui, là, à tuer? Oh, putain de barbarisme! Ils sont combien?
Non! Po. Vite, la seringue. Oh, la seringue. On dirait que je suis un... Merde, comment ça s'appelle? Oh putain, le rocher. Heureusement que j'ai je sais pas combien de munitions, parce que là... Alors lui, il fait du moonwalk. Là, c'est bon, il s'amuse bien avec son rocher. Là, il fait du moonwalk pour aller vers le rocher. Et là, il fuit parce qu'il sait que je vais lui péter sa face. Porcelet, là, hein. Et encore des munitions. Mais c'était pas beau, ça. Bah oui. Où est-ce qu'il est, là, l'autre? Je me fais tirer dessus. Je sais pas par qui, je sais pas par où. Alors, toi. Ma petite tourelle. Cadeau de la maison. Merci, maintenant, je décolle. J'arrive à l'intérieur du truc et je vais aller dire bonjour à celui qui est là-haut en train de s'amuser. Merde, raté. Mais il est où le type? Est-ce qu'il est là au moins? Aïe! Mais vache à la, mais il est où? Mais vous déconnez! Oh, il est là! Oh, il est là! Cadeau de la maison! Ça a rien fait en plus! Oh saleté! Et là? Mais que dalle! Mais meurs! Merci! Ah, moi je dis merci, je suis généreux. Moi. Et voilà la fameuse! Oh la vache! Oh! Mon sauveur! Attendez, elle l'a mérité! Avec la bonne voix de russe, enfin, ça ressemblait bien à une voix de russe, enfin, ou autre chose, je sais pas trop. Aïe, aïe. Ah oui, là, ça doit faire mal, ça. Ah oui, je comprends, oui. Aïe. Alors, objectif de la mission, ramener la charmante femme Smarties à la maison. Et ben, on va faire ça aussi, tiens. Ça va être un épisode... Oh, putain, il y a du monde dehors. Ouh, la vache. Bon, comment on fait pour... C'est ça, pour lancer une mine, c'est comme ça. Oh putain! Et donc voilà, là, en fait. Voilà, ça c'est fait. Et on peut pas fuir par l'intérieur, quoi. On est obligé vraiment de... Attendez voir, et si je fais ça? Je tente, hein, ça. Qui sait? Eh, mais c'est que ça marche! On va partir par là, tiens. Ouais, par contre, faut se dépêcher, là. Oh, merde. Oh, merde. Non, non, t'as pas vu de buisson, là. Non, 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 y a pas de buisson qui se barre. Non, non. Que dalle. Tu as rêvé. Et j'ai bientôt plus de puissance. Ce qui veut dire que je pourrais même pas décoller pour m'enfuir. Oh, vache aller. Putain. Mais meurs. Pareil, là, on se barre. Oh là 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 là, je le sens très mal. Si elle pouvait prendre les balles à ma place, ça serait cool. Voilà, c'est l'avantage d'avoir quelqu'un sur le dos, c'est qu'au moins ça fait un petit mini bouclier humain. Allez. Bon, là, le problème c'est qu'après. Oh la vache, il s'est fait démolir lui. Hein. Le problème c'est qu'après, je suis obligé de recommencer la mission parce que le but c'est de la ramener vivante quoi. Donc bon, ça le fait moyen. Bon, elle est morte en me protégeant, elle s'est pris une balle entre les deux yeux, oui, je. Oh la vache. Oh, je le sens moyen là. Ouf, mais c'est qu'ils sont nombreux. Je pense que elle a une valeur particulière pour eux. Je sais pas trop quoi, j'ai pas envie de savoir d'ailleurs, mais là il y a un accès. Là on est bon les gars, là on est pas mal là. Là on est pas mal du tout. Allez monte. Oh putain de la serrure de merde. Oh putain. On ne panique pas, tout va bien. Oh non, puis là, il n'y a plus d'accès. Ah, ah non, non, c'est pas autorisé, ça. Mourir maintenant, tu vois, c'est tout sauf autorisé. Il n'y a pas le droit, là. Oh, on est bon. Oh, putain. Oh. Putain, mais c'est où qu'il faut aller maintenant? Vache aller. Alors là,
intérêt d'avoir une récompense, hein, parce que j'aurais pas fait tout ça pour rien. Oh non, les piranhas! Putain! Eh, mais c'est quoi ce délire là? C'est la fête là? Putain, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. H! Ouf. On se sent plus en sécurité comme ça, hein. Ah ouais, là ça va mieux déjà. Oh, je crois qu'on a réussi, chers amis. On est toujours poursuivi, hein, donc on va pas se la jouer trop rigolo, voilà, hein, on va rester safe. Mais je crois qu'on est bon là. Ouais. Oh. Oh non. Oh non. Comment parler trop vite et avoir l'air con après? Mais monte. Oh. Putain, ils sont combien? Putain, ils sont combien? Allez, 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 allez. Allez, dites-moi qu'on va y arriver, dites-moi qu'on va y arriver. On est obligé de monter par là, sinon ça va pas passer. Allez, allez. Voilà, on va prendre le décollage ici. Oh merde, oh merde, il est monté jusque là. Oh merde, comment ils sont tous revenus là? What the fuck? Je suis pas d'accord, je proteste moi. Voilà, bonus santé au maximum, allez. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Et livraison express. Je suis rentrée. Oh la vache. Oh, tu m'as tellement manqué. Merci de m'avoir ramené à la maison. J'ai la dalle. Excusez-moi, mais nous sommes à la recherche d'un pote à nous. Oh oui, j'ai vu votre ami. J'étais en train de ramasser des patates pour le dîner lorsqu'il est apparu. Il m'a emporté et m'a baigné dans la rivière. Nous avons passé la journée ensemble dans un buisson. C'est là qu'ils sont arrivés. Ils m'ont privé de ma joie et m'ont traîné devant la maléfique reine Sappho. Oula. C'est le petit truc moche dont nous vous avons parlé, ma reine. Bien. Pétez-lui la gueule. Oh, sympa ça. Il s'appelait Reg. Il était si viril, si beau. Ma vie ne sera plus jamais la même. Va préparer la bouffe, chérie. Ça, c'est Reg tout craché. Vous devez retrouver Reggie. Grand-père Borjoisy a un bateau qui vous permettra d'atteindre la prison où ils l'ont emmené. Timmy, sois gentil, montre-leur le chemin. Timmy? Mais où est-il? Oh! Dépêchez-vous, ma passion pour Reggie ne peut attendre. Il... Femme! J'arrive, chérie! Bien. Et puis vous, vous allez dégager et me nettoyer le haut village. La haie est encore envahie par les gardes de Sappho. Mais il est dingue! C'est beaucoup trop haut! Et puis on doit trouver ce foutu bourgeoisie là. Il est toujours aussi pénible celui-là? À quoi ça sert ça? C'est le nitro que Timmy a préparé pour vous jetpack. Maintenant, allez vous remuer les fesses. Le village va pas se libérer tout seul. Je vais prévenir Borjoisy de votre arrivée. Oh, mais pour qui il se prend le... Crévadio, dégagez de mon terrain avant que je lâche les chiens. J'ai faim. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. On en est déjà à la fin, effectivement. Mais comme vous pouvez le remarquer, un épisode de 32 minutes, c'est pas mal du tout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, sur la FR Gaming Zone pour d'autres épisodes de mon Let's Play sur Giant Citizen Kabuto. C'était Benenarius, et d'ici là, portez-vous bien. Bye.